Weedy song, feed the love, feed the fire, weedy fire, weedy fire, sigh, I am, weedy fire. Alors, oui. Étonne un peu, oui, c'est qu'il ait fixé une date, le père, enfin, le père Malfoy. Je vous avoue que, oui, tant qu'à aller le voir, pourquoi pas le 30 ou le 29 ou le 34. Enfin, pourquoi il nous dit le 31 particulièrement? Je veux dire, c'est son anniversaire ou... Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, mais il a peut-être quelque chose de... Il y a peut-être quelque chose de particulier ce jour-là. Ouais, qui ne n'arrive que ce jour-là. Peut-être. Peut-être. Il y a un peut-être. Événement lunaire, quelque chose? Je ne serais... Je suis pas très astrologue, je vous avoue, Althea. Il n'y a pas... Non, mais je sais pas... Y a... Solstice ou que sais-je. Vous voyez pas, c'est non, c'est le truc. C'est ce clergé-là. Je vous rappelle que vos mois à vous durent 90 jours. Donc c'est même pas ouais, le milieu du mois, c'est pas la fin, c'est 31. Quoi. Ça voudrait dire qu'il faudrait partir de votre village le 30 pour y être le 31. Ça voudrait dire que. Et c'est là où le parcours veut en venir. Lui, il est pas trop pour qu'il y ait aucun d'entre vous dans le village quand les Danes vont arriver. Ouais. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un comité de réception qui les connaisse et qui sache leurs habitudes. Et voilà. Il... Je vote pour Royce. Royce ou moi, hein, peu importe. Hein, je veux dire, je ne tiens pas spécialement à aller me balader à la Tour Triste le 31. Hein. Le père Malfoy n'a pas mis. Il a parlé du père Cross d'ailleurs, le père Malfoy, dans sa lettre. Non, il a dit vous. Il a dit vous le village, quoi. Vous. Donc ça peut être vous, ça peut être moi. Enfin, je préfère que ça soit vous, mais oui, c'est l'idée, de quoi. De toute façon, c'est un peu bizarre. Il pousse les messages sur le côté et il vous dit bon, ça c'est une chose, mais pour l'instant on est le 26. On fait quoi avec vos amis vos amis de l'hospice qui sont vraisemblablement au phare, on va pas se le cacher. Hein je suis ouvert à toute faudrait suggestion. Faudrait combien de temps pour aller au phare? Mais c'est toi le qui le trajet sais, au phare qui a été souvent. De mémoire, il faut une demi-journée. Il me semble une journée complète. Attends voir. Bah écoute, Althea, je te propose un petit crochet par le phare. Pour aller voir de nos yeux vus ce qu'il en est. Une journée. Une journée pour aller au phare. Je me remets la carte sous les yeux, c'est quand même. Ouais, mais ça m'avait l'air un peu plus loin qu'une demi-journée. Ouais, clairement. Voilà. Quand vous partez le matin, vous arrivez le soir. Ma récupération de mana de la journée. C'est une idée que je sais pas du tout si c'est faisable ou pas, mais à chaque fois que tu changes la date, que t'incrémentes un jour, que ça ajoute automatiquement la mana pour t'éviter d'avoir à y penser à chaque fois. Pas forcément, parce que en fait, il se trouve que techniquement, je peux aussi reculer dans les dates si j'ai besoin. La date n'est qu'indicative, et parfois il se passera des jours et des jours. Je préfère faire ça. D'accord. Faire ça à l'ancienne et que tu me le rappelles, tu vois, je trouve que ça t'implique vachement dans le truc. Ça te rappelle que ton mana est précieux. C'est pas si mal. Ça rappelle. Voilà, donc je t'ai rendu ton dû. Donc, vous disiez. On peut même amener du monde parce que peut-être que les deux, c'est peut-être pas suffisant. Ouais. Voilà. Parce qu'ils ont l'air méchants quand même. Enfin, je veux pas dire qu'ils ont démonté un troll, mais ils ont démonté un troll. Bah ouais, c'est pour ça, je pensais emmener Bancroft aussi, une nouvelle fois. Et éventuellement, d'autres chasseurs, vous commencez... un petit peu la même équipe. Vous commencez à vous y habituer à celui-là. Ouais. Non, honnêtement, non, tous ceux de l'auberge ont l'air. C'est l'impression que ça me fait aussi, je vous avoue. Je suis un peu inquiet
pour la femme un peu dépressive. Il faut qu'on lui trouve une activité et qu'on la recentre. Oui, justement, je pensais qu'elle pourrait aider nos futurs aubergistes dans des tâches mineures le temps de trouver sa place. Je peux essayer de lui apprendre à brasser la bière. Elle croiserait du monde, elle se trouverait peut-être une activité, une bonne raison. Non, mais c'est pas bête, Altea. Enfin, pas à la bière. Hein. Mais vous êtes un peu la dernière herboriste que nous ayons. Ce serait peut-être bien que... quand vous n'êtes pas là, il y ait quelqu'un qui sache se débrouiller, oui. Vous l'en toucherez deux mots plus tard. On va pas tout mélanger. Oui, prenez des gens de la milice, hein, ils sont là pour ça, vous savez. Ouais. Bah, je pensais prendre la même équipe de trackers qu'on avait prise la première fois pour les chercher. Vu la dangerosité de la mission, est-ce qu'on pourrait pas plutôt compter sur des volontaires qui sachent se battre, parce que les chasseurs savent pas automatiquement se battre. Laissez les chasseurs ici, Altea a raison, ils ne sont pas là pour se battre, et je pense qu'il y aura un petit peu de combat, ça ne m'étonnerait pas, enfin je l'espère. Prenez plutôt du milicien avec des boucliers, des haches et des armures qui font du bruit. De toute façon, ils sont pas bêtes, hein. Ils ont abattu un de nos éclaireurs. Quelque part, s'ils savent pas qu'on sait, ils méritent de mourir. Hein. Le seul truc que je ne m'explique pas, c'est que si j'étais eux, ça fait longtemps que je serais parti. Ouais, c'est bizarre. Ils avaient un point de chute si parfait. Si on se trouve sur place, ce sera bizarre. Vraiment. C'est ça. Ils avaient un point de chute parfait, caché à l'abri. Voilà. On a tout pillé. On sait où c'est, donc ils sont obligés de s'enfuir. On trouve leur deuxième point de chute, apparemment. Ils sont sacrément motivés. Si vous arrivez à en garder un en vie et à lui poser des questions, on n'est pas contre. Même si je crains que ça... On essaiera. Je ne suis pas sûr qu'ils aient des choses à dire et j'ai peur que ça tourne en boucle, mais si jamais ils ont envie de négocier leur vie ou de soulager leur conscience, ce sera toujours ça de pris. On a appris certaines choses récemment. Je parle principalement de cette petite créature ailée, de cette Lucia qui commence à nous courir sur le haricot et de ses accointances étranges. Je voudrais savoir ce qu'en pense votre vieille nounou. Je me posais justement la question d'entrer en contact avec elle afin d'avoir son avis sur tous ces derniers événements. Donc on va dire que ça tombe bien. Voilà. Et si elle pouvait retrousser ses manches et nous filer un coup de main, ça serait tout à fait sympathique. Voilà. J'ai besoin d'une longue discussion avec elle. Comme ça vous concerne un peu plus particulièrement, et c'est un point... Enfin, c'est pas moi qui vais aller la voir, quoi. Je tenais à vous soumettre l'idée au cas où elle ne vous ait pas traversé l'esprit. Ce qui était le cas. Elle était là. Bien. Ben, je vais évacuer à mes occupations fort importantes et... vous laissez vaquer au vôtre. De fait. Bonne journée, bon courage. Allons-y. Je garde Royce avec moi. Je vais en avoir besoin. Là, je la garde. On a la carte internée sur Royce. Voilà, c'est exactement ça. Vous vous retrouvez au milieu du village. Faut qu'on aille voir le forgeron chef de la milice, voir ce qu'on peut lui emprunter. Je lui explique qu'on va... Voilà, on va pour aller au phare, les créatures, tout ça, tout ça. Donc on a jugé que des miliciens seraient plus pertinents pour y aller. Après, je veux pas non plus que ça démolisse la garnison qu'on a là, et ça serait peut-être mieux que ce soit des volontaires, compte tenu de la dangerosité des trucs, mais après, moi je suis pas chef, hein. Il va te dire, oui, le volontariat, bof... Ça marche pas. Ça attire pas toujours les meilleurs, ça attire surtout ceux qui veulent se faire voir. Non, je préfère choisir. D'accord, mais c'est pour ça que c'est pas mon boulot, sans doute, hein, le chef de la milice. Ça doit être ça, l'idée. Il va aller sélectionner... 4. Sachant que Royce miliciens. Restera au village, a priori. Hein. Ah, c'est dommage pour vous, ça. 4 miliciens. N'en parlez pas.
Je pleure intérieurement. Il va les équiper de lances et de boucliers. Et comme ça, vous aurez l'impression d'avoir 4 Royce. Ce qui leur permettra de combattre à distance si possible. Ok, il va juste te demander pour quand il te les faut. Et combien de temps ils seront partis. Eh bien, à ce moment-là, elle imagine qu'on va partir probablement le lendemain matin. Donc pour le lendemain matin. Pour deux jours, théoriquement. Pour deux jours. Deux à c'est trois noté. Jours maximum. Il te dit, ils seront prêts 6h, 6h30 du matin. Ils seront devant la sortie du village. Deux à trois jours, hein, comptons trois au cas où on est enquêté sur place. Ça marche. Et c'est donc en rentrant chez toi que tu tombes sur William qui t'annonce fièrement « Je vais aller à Grandbois. » Alors ça va pas être possible. Pas avant deux compliqué. À trois jours, parce que j'ai réservé les miliciens, là tu vois, j'ai mon papier. Bon, ah bon ouais, pour quatre miliciens. C'est... Le grand souci dans ton calcul, c'est que si on compte un jour pour aller à Grandbois, un jour pour en revenir... Et un jour pour aller au phare, on est déjà là au moment où il faut partir à la tour triste. Ah ouais, tout à fait, je sais bien, faut choisir. Ah, t'as pas donné un moyen de la joindre ou quoi que ce soit? Non. Et non. Elle fait mal son boulot. Ou elle en a rien à foutre, c'est possible. Ah, elle a pas totalement nounou de son plein gré, hein. C'est un peu ça l'idée, elle avait peut-être. Dit, si tu as besoin de moi, je serai là. Bon, bah, j'ai besoin, elle n'est pas là. Moi, c'est peut-être que tu n'as pas vraiment besoin. C'est peut-être que tu n'as pas vraiment besoin. Je constate. Hein. vous quittez donc Ament. Les quatre miliciens qui vous suivent sont assez taciturnes. Ils ne parlent pas, oui. Ned est connecté. Oh, dis donc. On va voir. Mais peut-être qu'il va arriver en courant derrière vous. Non, il est sur son téléphone. Ouais. Ah. Il est sur son... Okay. Il y a le petit symbole téléphone autour de son... Ouais. Il vient d'allumer son tel. Donc, ça se trouve, il vient de se réveiller, tu vois. Ça se trouve, c'est aussi con... Même pas énormément, en fait. Aussi con qu'il vient de se réveiller. Ouais. Bon, on verra. Écoute, Il se transformera en milicien. Tu auras les caractères de Royce. Comment on simplifie les trucs en claquant des doigts, moi je dis c'est magique. Donc ils sont pas très bavards, ils sont un peu entre eux. Ils sont assez concentrés, on va dire. Ils observent autour d'eux, ils sont assez sérieux. C'est ça l'idée qu'il en ressort, c'est qu'ils prennent leur travail au sérieux en fait. Ils sont pas en train de mater les papillons, le beau paysage. Voilà, ils vous escortent. Voilà, ils vous escortent. Ouais, et vu ce qu'on va affronter, il vaut mieux qu'ils soient concentrés, ouais. Ils savent qu'on va se battre, ils savent que c'est contre les créatures. Ils sont un peu inquiets et un peu rassurés. Alors, rassurés par quoi? Rassurés par le fait que ben, vous avez quand même appris des choses sur ces gens-là, sur ces créatures-là. Vous savez à peu près leur taille, vous savez leur mode de déplacement. Enfin, c'est moins un truc mystérieux qui rôde dans la nuit, ça ressemble à un loup-garou, ok, alors c'est peut-être flippant, mais on préfère savoir ce qu'on va affronter plutôt que de partir au pif et de tomber sur un truc absolument démentiel, quoi. Vous êtes 6 en tout, ce qui est plutôt bien. Voilà, vous êtes des personnalités du village. Ils sont à peu près persuadés que c'est vous qui allez faire tout le boulot, sûrement, en plus. Et en plus, il y a la sorcière. Donc, il y a la sorcière du village qui fait des trucs magiques. Alors, si avec ça ils sont pas parés, c'est l'idée. Et ils sont à peu près aussi persuadés que, enfin, vous avez pas la réputation d'être des gens qui font des trucs déraisonnés où vous allez jusqu'à risquer votre vie pour atteindre votre objectif, quoi. Ils sont à peu près persuadés que si jamais c'est vraiment insurmontable, vous allez juste vous casser. Tout simplement. Et que vous n'allez pas les sacrifier. Et du reste, ils ne sacrifieront certainement pas. Vous crapahutez le long de la côte.
Vous pouvez voir en contrebas sur la plage ces espèces de gros lézards géants qui se dorent au soleil sur la jetée. Certains vous regarderont passivement circuler. Vous êtes loin, vous n'êtes pas menaçant, vous fout la paix. Vous les verrez de temps en temps retourner, se glisser sous l'eau ou en sortir. La journée se passe sans encombre, la halte aussi se passe absolument sans encombre. Vous arrivez assez vite de l'autre côté du bois d'Estang, donc en vue du phare, dont la sinistre silhouette en ruine se découpe sur l'horizon. Et toute une flopée de souvenirs remonte à vous. Vous arriverez donc, il va être 17h30, vous arrivez dans vraiment les alentours du phare. Et on va dire que c'est le moment où je vais arrêter de raconter gentiment mon histoire et où je vais attendre vos précisions. Ouais, 17h30, la nuit ne va pas trop tarder. Vous avez une heure à peu près. Dans la mesure où on est sur la fin de l'hiver, elle est peut-être même déjà tombée, non ? Vous avez une heure à peu près. D'accord. Je dirais qu'il faudrait trouver un spot où on pourrait être discret. Peut-on être discret ? Je veux dire, on est une troupe. Alors, pouvez-vous être discret ? J'ai arrêté mon discours. On va allumer un feu ? Non. Alors, j'ai arrêté mon discours à l'endroit où vous pouvez encore. Ouais. C'est-à-dire que le phare est encore loin. Il est sur une falaise qui est assez escarpée et découpée. Et il y a de la végétation. Il y a du buisson, donc il y a moyen de se déplacer, pas à quatre pattes, mais bien courbé, et d'essayer de mettre des obstacles pour s'approcher du phare et l'observer de plus près. Le problème du phare, c'est qu'il est juché sur un promontoire, qu'il faut un escalier pour y aller, et que la montée de l'escalier, par contre, on est complètement à découvert sur un escalier, et il n'y a pas une poutre, un buisson, un moyen de se planquer, quoi. De ce escalader. Qu'on a pu observer, je dirais que ces personnes créatures sont des personnes de jour et des créatures de nuit, à moins qu'elles aient moyen de changer sur cet ordre-là, puisque quand on est allé les voir de jour, elles sont pas transformées en bestioles pour nous démonter la bouche. Par exemple. Donc j'aurais plutôt tendance à vouloir aller les voir de jour, de préférence. Par exemple. Barrer moins vite, serait plus facile à buter, enfin tout ça. Ou ne pas buter. Mais on aurait le choix. Donc j'aurais plutôt tendance à penser rester tranquille cette nuit et aux premières heures se pointer. Ok. T'en penses quoi, Altea ? Je me disais qu'on pourrait peut-être faire une reconnaissance pendant l'heure qui nous reste, pendant que l'autre partie du groupe cherche un coin bien caché pour faire un camp. Ouais. J'y pense plus, mais vous l'aviez demandé. Vous n'êtes pas 6, vous êtes 7. Il y a Bancroft avec vous. Vous lui avez demandé de venir. Ah oui, en comptant Bancroft. Je l'avais oublié, mais vous lui avez demandé de venir. Donc il est là. Lui, son avis perso. Alors oui, déjà, faire un camp planqué, bonne idée. Pas y aller de nuit, bonne idée. La question qui se pose, lui, c'est savoir si pendant la nuit, les créatures vont sortir et pas vous sentir. Je ne sais pas si elles... Voilà, si leur odorat va les guider à vous. Il insiste sur un truc très particulier, c'est que contrairement à leur comportement habituel, la nuit dernière, personne n'est venu rôder autour du village. Vous les voyez plus, les créatures. Depuis que vous les avez débusqués de l'hospice, il n'y a pas eu, je vous ai pas décrit de. Il y a encore eu du mouvement, on vous observe depuis les arbres. Voilà. Donc leur comportement a changé. C'est très intéressant quand le comportement d'une bestiole change en fait. Donc peut-être qu'elles vont pas sortir. C'est possible. Peut-être qu'elles se cachent vraiment. C'est un coin inhabité. En matière de gibier, c'est très pauvre.
Si elles doivent manger, par exemple, elles sont censées pas avoir de ration puisque vous avez tout pris. Ouais. Elles ont fui de l'hospice au phare, elles ont plus rien à se mettre sous la dent, elles sont peut-être pas dans un état formidable. Il serait même d'avis de faire le camp quelque part loin du phare. Tout à fait. Sur la plage, au pied d'un contrefort rocheux bien planqué, voire même une grotte si vous en trouvez une, histoire de pas être C'est trouvable. C'est exactement ce que je pensais, ouais. Voilà, ne pas faire pas d'odeur, rien, et être le plus que vous les attiriez pas en fait, si elles ont faim. Ouais. Limite fortifié. C'est l'idée. Ouais. Et du coup, ça serait venir au phare sur les coups de 7h du matin. Le soleil se lève. Et qu'est-ce qu'il pense une reconnaissance là, ton client, là maintenant, du jour Moi, ce que je trouve problématique dans le fait d'y aller comme ça discret, c'est que si on se fait repérer, ils se barrent et on n'a pas moyen de les retenir avec un canif. Alors, et deux personnes, quoi. Il va te dire sauf que s'ils se barrent, s'ils sont dans le phare et qu'ils se barrent, vous allez les voir. Parce que là, le phare, il est en haut d'un rocher. Même s'ils sont créatures et qu'ils sautent du haut du phare, vous allez voir un énorme truc sauter du haut du phare et partir en courant. Ce qui sera un indice qui met fin à votre mission, puisque ils se cassent, vous n'avez pas moyen de les rattraper, donc c'est peine perdue, quoi. Ils peuvent pas s'échapper en douce. Il faudrait, à la limite, Bancroft se propose de pas venir au camp avec vous, de se planquer en vue du phare, parce que vous serez plus en vue du phare, vous serez loin, de laisser une vigie, en fait. De laisser quelqu'un qui arrive à brouiller son odeur et ses traces, c'est pour ça qu'il parle de lui, planqué dans un buisson et qui va observer s'il n'y a pas des allées et venues rentrer et sortir de la tour et de la lumière. De la lumière du bruit. Voilà. Tout au long de la nuit. Et si vous acceptez, parce qu'il a bien compris que vous êtes méfiant, si vous acceptez, lui il a le talent pour arriver à faire ça sans se faire repérer. Et il se propose. Moi, je serais assez pour. Altea, t'en penses quoi? Pas dangereux pour lui? Je pense qu'il est parfaitement au courant que c'est dangereux. Alors, ouais, c'est dangereux. Je vous l'accorde. Hein. Mais je chasse des créatures depuis des années. Si malgré mes astuces, elles arrivent à sentir mon odeur et à me repérer... quelque part, elle mérite de me bouffer. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous chassez des créatures qui sont dangereuses, c'est un jeu. C'est un jeu entre vous et la créature. Moi, je pense que je peux jouer. De ce que j'ai vu, je pense que je peux jouer. Alors, sans que les miliciens entendent, on parle de créatures qui ont démonté un troll. Hein. Ouais. Enfin, c'est un troll, hein. Vous l'avez fini, le troll, je crois. On pensait. Oui, mais je veux dire, vous l'avez mis à terre, quoi. Oui, mais il restait pas grand-chose. Non, alors, si vous voulez tout savoir, je vais choisir un endroit d'où je peux éventuellement sauter à la flotte. D'accord. En partant du principe qu'elles savent peut-être bien se déplacer dans les arbres, même si ici, il n'y a pas d'arbres. Mais qu'elles ne savent peut-être pas bien nager. J'arrête de faire ma maman poule et je m'en vais. Merci. Merci bien. Et la gamine qui fait la maman poule sur le titre de 50 balais. Impec. Je vous assure que si je vois des grosses créatures sortir du phare et venir dans ma direction, je ne vais pas compter sur mon déguisement en buisson. Hein. Bon, il faudrait quand même qu'il m'indique un petit peu vers où il va se trouver, parce que s'il n'est plus en état de répondre, qu'on sache où chercher. Vous allez chercher ensemble, il va finir par dégoter une espèce de buisson un petit peu épineux, un petit peu dense, dans lequel il a moyen de se faire un trou pour lui être protégé, et à travers des branches duquel il peut arriver à voir le phare, et au bord de la falaise en fait. D'accord, ok.
marche. Il va passer son temps à se frotter avec tout un tas de trucs avec lesquels toi tu ne te frotterais pas. Puisqu'il va aller chercher des fientes, des reptiles qui sont en bas pour se donner une bonne odeur locale. Voilà. Ah ouais, mais il a complètement raison. Et déguisé en tas de boue, en tas de bouse, pardon, il va se cacher dans son buisson d'épineux, emmitouflé dans les couvertures. Oh, il joue à Predator. Bon, on s'en va. Exactement, c'est son métier. Il est né pour ça. C'est ça la chasse. C'est moche et ça pue. Ouais, ouais. Mais ça marche. C'est pour ça que je préfère être herboriste. Les plantes, c'est joli, ça sent bon. vous allez. On sera sur l'alchimie, mais sinon, en général, ça passe bien. Tu as deux métiers très extrêmes, tu vois. Tu fais des trucs qui puent, des trucs qui sentent bon. vous allez trouver l'équivalent d'une grotte, un renfoncement qui va assez profond au niveau de la plage, en contrebas de la falaise. Là, s'ils vous trouvent, c'est que vous avez un mouchoir sur vous, quoi. Ou qu'ils ont des talents incroyables. Vous allez rentrer à l'intérieur, vous allez faire un feu, vous pouvez. Et vous allez passer, ma foi, une nuit assez agréable. Et comme c'est une nuit assez agréable, quelqu'un récupère du mana. Ah. On va voir à le réclamer. Quelqu'un est content. C'est l'idée. Nous sommes donc le 28 au matin. Le soleil n'est pas encore levé que un des miliciens vous réveille. Le temps que vous défaisiez le camp et que vous alliez jusqu'à la tour, il sera 7 heures quand vous arriverez. Vous remontez le long de la falaise sur l'escarpement rocheux, le phare est toujours là. Vous avancez en direction de la cachette de Bancroft, qui est toujours là. Désolé de décevoir les plus avides de suspense, mais il est là, il n'est pas endormi, mais il est dans un sale état, on va dire. La nuit blanche est quand même passée dessus. Et les yeux hyper cernés, il vous dira qu'il n'a vu ni feu, ni mouvement, ni entrée, ni sortie. Il serait presque prêt à dire qu'il n'y a personne dans le phare. Ouais. C'est possible qu'il soit parti. Et il va vous laisser, puisqu'il va aller dans la grotte que vous avez fait pour pioncer. Parce qu'il a quand même superbement sommeil. Voilà. Vous voilà donc avec vos quatre miliciens au pied du phare. Sur une lande battue par le vent, l'air salé de la mer, tout ça. Bah, vu que les alentours du phare sont plutôt nus, s'ils sont dedans, ils savent qu'on est là, donc... Vous vous avancez, les miliciens ont dégainé leur lance, et ont ajusté leur bouclier. Moi j'ai dégainé mon arc, et je me mets derrière une première rangée de miliciens, justement. Bouclier, lance, c'est mieux devant. Les miliciens commencent la montée du long escalier qui mène à l'entrée du phare, à flanc de falaise, battu par le vent. Vieil escalier qui grince d'ailleurs, qui est certainement très peu solide, ces quatre, faudrait peut-être rénover tout ça, pour y tomber, un malheur est si vite arrivé. Vous les suivez sur l'escalier qui grince, vos cheveux battus par le vent salé, qui est décidément assez violent. Le premier milicien arrive au niveau de la porte du phare, qui est alors... toujours entière, mais dans un assez sale état. Il la pousse, elle grince, mais elle s'ouvre. Il rentre à l'intérieur, lance la première, suivi par le deuxième milicien, puis le troisième, puis le quatrième. Il forme une sorte de demi-cercle. Et vous, que faites-vous ? Je suis derrière eux. Il y a un petit putain de merde, et il est vraiment désolé. Et vous rentrez. Oui. C'est toujours la même pièce, ça fait plusieurs fois que certains la voient. C'est le basement du phare qui est toujours en ruine. Il y a des éboulis un petit peu partout. Un reste d'escalier qui aurait bien voulu monter au premier étage, mais qui malheureusement s'est arrêté à mi-chemin pour s'effondrer par terre. Il y a au milieu de la pièce...
deux corps, celui d'un homme et celui d'une femme, qui sont levés l'un contre l'autre, qui ont l'air d'être des Danes. Et vous diriez qu'ils dorment dans les bras l'un de l'autre, ça doit être ça l'idée. Sûrement pour conjurer le froid. Vous ne voyez pas de traces de feu. Vous ne voyez pas de tente, même de fortune, on va dire. Ils sont vraiment sur la pierre nue. Et vous diriez que leur peau est extrêmement pâle. De ce que vous en voyez de là où vous êtes. Ah. J'emprunte la lance d'un des miliciens et je m'approche et je tapote le pied d'un des deux avec. À ta grande surprise peut-être, le corps est rigide. D'accord. Et une fois que tu as piqué le corps, une voix retentit dans la pièce qui fait vraiment écho, hein, elle est grande, elle est spacieuse, et elle est en pierre. Une voix de femme, et une voix qui te dit « Ils sont morts. » J'ai déjà entendu cette voix, ou c'est la première fois ? Non, tu ne la connais pas. Non plus. Ah, et tous ensemble, vous levez les yeux, parce que la voix vient d'en haut. Voilà. À l'endroit où l'escalier aurait dû arriver au premier étage, hein, il y a une ouverture dans le plancher. Vous distinguez se situant actuellement au premier étage et vous observant de son perchoir quelque part une silhouette féminine encapuchonnée avec une grande cape, donc vous avez du mal, vous ne voyez que les contours en fait. Tout ça est assez sombre. Vous distinguez juste des cheveux blonds, longs, qui sortent de la capuche. Elle se tient droite et à vrai dire, si elle n'avait pas parlé, dans l'obscurité comme elle est, vous auriez mis un certain temps à la repérer. Ouais. Altea, des cheveux blonds. On connaît quelqu'un qui a des cheveux blonds. Pas de vivant. Lucia, tu l'as vue, toi? Elle a les cheveux de quelle couleur? Pas brune, pas blonde. Et je lui serais déjà rentrée dedans si c'était. Tu n'as jamais vu un mage charger quelqu'un bestialement? Moi, je vais tenter. Et vous êtes? Je tends ma lance à Rolf, à qui j'avais emprunté sa lance, donc. Et je reprends mon arc à la main, question 2. Voilà. Sans particulièrement la mettre en joue ni rien, mais bon. Je m'appelle Esmé. Est-ce que leur mort est de ton fait ou c'est arrivé avant toi? Ils seraient morts de toute façon. Leur organisme était arrivé au bout de ce qu'ils pouvaient supporter. Disons que j'ai un peu accéléré les choses. Et ça fait longtemps qu'ils sont morts? Hier. Je vous attendais plus tôt, à vrai dire. Tu nous attendais. Oui, il était grand temps que nous nous rencontrions. Envie de descendre discuter, parce que là, faut un peu crier, c'est un peu gênant. Vu vos habitudes, non, je préfère rester à distance. Je suis celle qui est chargée de retrouver votre ami Sol. Et étant donné l'échec de ces créatures, et étant donné que vous avez découvert l'existence de Nise et qu'il est retourné d'où il vient, ma mission commence à ressembler à un échec. Ou alors, ma mission n'aurait jamais pu réussir parce que Sol est déjà mort. Alors je me suis dit que le meilleur moyen de mettre fin à tout ça serait peut-être de vous poser la question directement. Voilà comment je vois les choses. Soit Sol est encore ici,
Et ça veut dire que dans quelques temps, il va devenir un problème ingérable pour vous. Et que vous devrez vous en débarrasser et qu'il sera peut-être trop tard pour faire appel à moi. Soit, Sol est parti très loin, ou mort, ce qui était un peu la même chose. Et ça veut dire que j'ai beau le chercher, je ne le trouverai pas et que c'est pour ça que ces créatures ne l'ont pas trouvé. Auquel cas, je n'ai plus rien à faire ici. Et nous vous laissons tranquille. Vous et votre village. Nous vous laissons tranquille, ça veut dire les soldats aussi ? Ça veut dire... Ça veut dire ma maîtresse et moi. Et croyez-moi, nous sommes votre principal problème. Les gardes, c'est autre chose, mais ça se calmera avec le temps. Disons que si nous arrêtons de pousser les choses vers vous, tout ça va finir par se calmer. Mais si nous continuons à faire en sorte que on s'intéresse à vous, votre situation va aller en se compliquant. Je vous ai bien observé. Vous n'êtes pas très actif, vous vous défendez, mais j'ai l'impression que votre souhait le plus profond, c'est de vivre tranquillement dans votre village. Je vous offre l'occasion de vivre tranquillement dans votre village. Si, comme je le crois, Sol n'est plus ici, votre village cesse de nous intéresser. Vous retrouvez votre petite paix, vous réglez vos problèmes politiques entre vous. Je disparais. Je me suis dit que moi, je serais plutôt marché... tenté de lui dire que c'est le cas, hein, qu'il a disparu. Vous en pensez je me suis dit qu'un tel marché devrait vous intéresser. Voilà, là, je vous laisse. Qu'est-ce qu'on a à y gagner de lui dire que Saul n'a pas disparu, en fait ? Quel intérêt ça aurait ? J'en vois pas là immédiatement. Moi, j'en vois aucun. Si on veut casser la gueule à sa maîtresse, quoi. Enfin, celle qui tire les ficelles. Ça peut être un moyen ça empêche pas, alors, ça empêche pas d'aller la chercher chez elle, mais... On sait qui c'est, on sait où elle est. Elle va pas déplacer son laboratoire si facilement que ça. Et ça endormirait sa méfiance envers nous, vu qu'elle nous prend pour des gentils moutons passifs. Et elle pense qu'on cherche plus rien et qu'on n'a plus rien à voir les uns avec les autres. Ce qui fait que quand on sera prêt, de meilleur niveau et plus en forme, on pourra aller lui péter sa gueule en bonne et due forme. Gardons l'objectif. Péter sa gueule. Comme ça, non, moi non plus, je vois pas de contre-indication. Non, mais vraiment, si vous tournez l'esprit dans tous les sens, vous voyez rien, moi je vois rien. Je vois pas de point positif à la chose. Eh ben dans ce cas-là, on va juste lui dire qu'elle ne trouvera pas Saul au village. Donc textuellement, vous ne trouverez pas Saul au village. Ce à quoi elle te répond est dans la région. Je réponds non plus, il est mort. C'est ce qui me semblait. Il n'a pas survécu à la transformation, je suppose. Non, mais j'étais là pour le voir. Nous nous y attendions. C'est dommage. C'est dommage, c'était prometteur. Je vous laisse revenir victorieux à votre village, avec la dépouille de vos créatures. N'ayez pas de scrupules à les mettre en terre, ils n'y sont pour rien. Comme beaucoup de gens dans cette histoire. Oui, hélas. Grâce à ta maîtresse. Visiblement. Je pense que nous ne nous reverrons jamais. Je vous souhaite une vie paisible dans votre village de la Mente. Que j'espère de tout cœur ne plus jamais revoir. Eh bien, le village appréciera de ne plus jamais te revoir non plus. Et elle disparaît.
C'est classe comme sortie. Une fois qu'on aura fini, je te livrerai le making of. Tu verras que c'est pas compliqué. En fait, elle se jette. Elle se vautre dans le mur. Vous entendez pouf. Genre tour de magie raté sur TikTok, tu vois. Et du coup, elle se casse la gueule du premier étage, elle atterrit sur les gravats vautrés, elle meurt. Et tout le monde fait. J'adorerais savoir faire ça. Mais non, elle disparaît bel et bien. Et quand tu sauras comment elle fait, tu pourras faire pareil et tu auras l'air super forte. Moi aussi, je veux avoir l'air d'un vrai mage. Quel est votre objectif du coup ? Y a-t-il vraiment besoin de ramener les deux corps ou pas ? On va pas les laisser là. Alors, ouais. Les enterrer. On a déjà dit qu'il fallait s'occuper des dépouilles dans cet univers. Au village, oui. Les gens étaient donc, plutôt au courant au pas qu'il y avait des alors, monstres qui rôdaient. Les monstres, ouais, mais alors que c'était des humains le jour, je crois pas. Là, le truc, c'est que là, vous avez devant vous ouais, un homme et une femme tout à fait normaux. Ouais. Qu'il n'y a pas de grand intérêt à les ramener au village. Voilà, ça va être compliqué d'arriver avec deux cadavres en disant non, mais ça, en fait, c'est eux les créatures. Il y a peu de chances que ça passe. Ils sont reconnaissables encore. Ouais, 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 clairement. Ouais. Ils sont pas des figurines ni rien. Ouais, c'est deux dames. Et on a... Ah oui, petit. c'est deux dames. Donc, on a. on a. C'est un jeu de mots. vous êtes tous sortis avec Ned hier soir ou quoi? C'est Yodan. Oui, donc tu disais. Je disais quand il y a un détail qu'on a oublié de dire à Royce, c'est que le 31, on nous a mis la pression. Vous n'avez pas dit ça, ouais. Because, ouais, on a tout dit sauf ça. Le 31, on a deux rendez-vous. Le premier, c'est la première caravane qui arrive à Amen pour prendre la livraison pour repartir à Balioun. Ok. Et le même jour, on est invité à la Tour Triste par le passeur. Il y a des choses importantes. Because why because, on ne sait pas, mais il se trouve que c'est exactement le même jour pour que ce soit pratique. Joyeux anniversaire. Et alors, l'anniversaire du c'est une caravane de Dan. Et que ouais. C'est peut-être des gens que Vitchek connaît, voilà, ça c'est pourrait ça. Éventuellement l'intéresser de les récupérer peut-être. Exactement. Alors, je vous avoue que même oui. S'ils les récupèrent, ils feront pas une semaine de trajet retour avec des cadavres. Ils seront ouais, sûrement enterrés dans votre village. Hein. Okay. Mais par contre, pour les identifier, oui, ça c'est pas impossible. Oui, voilà, c'est ça. Surtout ça, moi, que j'avais en tête. Mm-hmm. Et alors, pragmatique, Rolf vous dit, on pourrait garder que les têtes. Non, je dis pas ça. Je viens d'y penser, mais Rolf m'a pris... M'a ôté les mots de la bouche, oui, évidemment. Mais on n'est pas censé donner des genres de... Enfin, je sais pas si sacrement est le bon mot, etc. Pour que les âmes puissent reposer en paix, tout ça, éviter les alors, fantômes, les machins, les trucs. Dans votre configuration, dans la mesure où il n'y a pas une chapelle ou un temple dans le village même, quand il y a des morts chez vous, vous envoyez quelqu'un à la Tour Triste pour revenir avec un novice qui va faire la cérémonie. Et entre-temps, vous stockez les corps. On devrait peut-être plutôt faire ça, non ? Ouais. Ou alors vous vous sentez mais de faire une cérémonie cool à l'arrache. Ce serait cool que les Danes voient avant qui étaient ces personnes. Et ils apprécieront peut-être de voir un éventuel cousin entier que la tête dans un sac, je sais pas. Bah donc on les emmène en entier au village on va les emmener à la tour ouais. Pour demander à ce qu'il y ait un novice qui revienne avec fait. Nous de leur donner les derniers sacrements. Et voilà. Ils ont, ils ont beaucoup souffert. Ça se voit sur eux, bon, outre le fait qu'ils sont morts, effectivement, et que la pâleur est là, ils ont les traits vraiment émaciés. Vous avez presque l'impression qu'ils sont morts de faim. Mais très rapidement, en version accélérée, quoi.
ça a fait, bah, vu qu'elle a très dit beau qu'elle à les voir. A poussés ouais. dans cet état, on préfère ne pas savoir ce qu'elle a fait exactement. Pour voilà, mais vous sentez bien qu'ils se sont pas juste couchés, et qu'ils ont pas juste fermé les yeux, quoi. Ça a eu l'air un peu ouais. violent, et le fait qu'ils soient accrochés l'un à l'autre, ce qui les rend d'ailleurs chiants à transporter, parce qu'ils sont vraiment accrochés l'un à l'autre, en termes de rigidité, quoi. Ils sont enlacés. C'est sûrement dans la souffrance qu'ils se sont accrochés l'un à l'autre, plus que dans on va faire dodo. Ce qui rend leur, leur destin assez triste, je vous l'avoue. Ouais, j'aurais tendance à croire que ce sont des victimes plus qu'autre chose, ces deux-là, qui ont été utilisées malgré eux. Ouais. Oui, ça m'étonnerait vous pas allez... qu'ils aient été des prisonniers. Vous allez construire une civière, avec les moyens du bord, une couverture, des branches. Vous allez passer prendre Bancroft pour pas le laisser tout seul dans sa caverne. Et vous allez les ramener au village. Vous allez les ramener au village. Lorsque vous arrivez au village, petit calcul, vous arrivez au village de nuit. Parce que vous êtes allé tôt le matin. Vous arrivez de nuit aux environs du village. Les miliciens en faction sur la palissade vous accueillent, super contents de voir que tout le monde revient. Un peu inquiet de voir que vous transportez un brancard, une civière. Maison du père Cross, je suppose. Oui. Peut-être pas avec les cadavres, mais oui. Faudra bien les mettre quelque part de toute façon. Vous débarquez ouais, chez le père Cross. On a une mort ou un truc. Au doc en attendant, puisque. Où se trouve Royce? Où se trouve Royce? Et c'est là qu'on fait une incroyable permutation de Royce à Rolf, de Rolf à Royce. Voilà. De Rolf à Royce. Reprend son Rolf Royce, ouais. Les deux corps sont emmenés au sous-sol dans la cave pour qu'ils soient au frais. Alors, vous n'allez pas envoyer un corbeau à la tour triste, puisque techniquement vous êtes censé y aller demain. Donc c'est vous qui ferez office de messager. Ouais, quoi. Vous racontez au père Croze ce qui s'est passé, je suppose, pour faire court. Oui. Il vous confirme que pour lui vous avez pris la bonne décision. Parce que c'est vrai qu'au départ vous avez caché la mort de Sol, mais plus dans l'optique, ça nous fera peut-être une carte à jouer, un de ces quatre. Sauf que techniquement, il n'y a pas d'occasion qui soit présentée où le fait que Sol soit en vie soit génial. Et la rencontre avec cette dame bizarre, qui pense toujours qu'il est en vie, hein, je vous rappelle. La rencontre avec cette femme vous a juste confirmé que quelque part ce mensonge vous a plus attiré dans merde. De gens qui ont investi des moyens et persisté à le chercher pour rien. Mais ça vous a quand même à vous permis de connaître quelques cartes que l'adversaire a en main. C'est-à-dire que sans ça, il n'y aurait pas eu les créatures, mais vous auriez pas su qu'ils sont capables de faire ça. Il y a tout un pan de leur machination qui s'est révélé parce qu'ils ont investi des efforts pour trouver Sol, comme par exemple le fait que Lucia a des apprentis. Ce que vous ne saviez pas avant. La vraie bonne nouvelle, c'est que si cette fille a dit vrai, vous allez avoir la paix en termes de trucs magiques ou monstrueux qui vous tombent sur le coin du nez. Yeah. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus que vos relations avec le rempart ouest à gérer, quoi, en gros. Et à trouver soit un moyen de retourner dans le rang, de faire la paix, soit continuer votre sécession en espérant des jours meilleurs. Ce qui... vous dit le père Croze, est pas vraiment une solution durable. Être en dehors du système et faire toute sa vie comme ça, il y a toujours quelqu'un qui, à la fin, voudra vous faire rentrer dans le rang, quoi. Donc, peut-être trouver des négociations. Maintenant que Lucia va arrêter de convaincre ses alliés que vous êtes dégueulasse et qu'il faut vous... voilà. Il y a peut-être un moyen de faire un peu amende honorable ou d'entamer des négociations pour... que tout redevienne paisible et à la normale. Il présume que, par exemple, quelqu'un comme le commandant Aura, il doit lui tarder d'avoir autre chose à faire que de vous surveiller ou de faire attention à vous. Elle a peut-être d'autres chats à fouetter, elle sera peut-être ravie que toute la presqu'île ouest rentre dans le rang, quoi. En gros. Mais voilà, ça ouvre un petit débouché et ça confirme le fait que
cet acharnement contre vous était visiblement principalement du fait de Lucia et de son envie de mettre la main sur Sol. Ah, ce qui est plutôt bien. Ce qui est plutôt positif et qui va conduire le père Croze à vous dire les enfants, on part demain, je vous rappelle. Alors, on part demain pour la tour triste. Donc, le on. Oui, exact. Vous partez demain. Voilà. Je vais rester ici. Oui, parce qu'on a dit qu'il fallait qu'il y ait au moins un d'entre nous pour voir avec les Danes qui est quelqu'un de au courant des marchés du marché. C'est moi qui vais m'en occuper et vous allez partir tous les trois. Et j'en profiterai pour demander à nos alliés s'ils connaissent les gens qui sont dans la cave. Et voir s'ils veulent emmener les corps, qu'ils le fassent. Hein. Vu le temps de trajet, non, je pense qu'ils seront enterrés ici. On viendra avec un novice. Non, de la d'ailleurs, voilà. Malgré le froid et tout ça, ça tiendrait pas. Une semaine avec les corps. On reviendra avec un novice de la tour triste. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas trop comment ils vont débarquer. Est-ce qu'ils ont des chariots Je vous avoue que c'est la première fois qu'ils vont arriver. Vitchek a tout mis en place, mais on ne sait pas encore comment les marchandises sont transportées. Je sais pas s'il y aura la place pour deux corps pendant une semaine. Enfin, je leur proposerai. Trajets qui doivent être discrets. Revenez avec un novice, au cas où. Au pire, on lui donnera à manger et rentrera chez lui. Mais voilà. Et mes amitiés aux passeurs. Eh bien, bonne nuit, les enfants. Le père Croze a l'air quand même assez enjoué, hein, globalement. Comme s'il y avait une grosse épine qui venait d'être enlevée de votre pied. L'air de rien. Il y a une grosse épine qui vient d'être enlevée du pied. Vous partez donc en direction de la Tour Triste et de l'Hospice des Trois Collines, qui est sur le chemin, c'est rigolo. Le voyage se passe assez sans encombre. À un moment, quand vous êtes sur une colline assez surélevée, dans le plateau des Sambos, William ressentira légèrement l'impression qu'on l'appelle à grand bois, mais difficile de dire si on l'appelle vraiment ou s'il est en train de se mitonner quelque chose de mystique dans sa tête. Et vous arriverez le soir du 31 en vue de la tour triste, qui est toujours aussi triste, toujours aussi délabrée, toujours aussi accrochée à sa falaise. Petit sentier en colimaçon qui monte en direction de l'édifice dont l'étage est toujours écroulé, toujours envahi de corbeaux en haut. Brasero au niveau de la porte d'entrée. Rien n'a changé. Rien n'a changé, immuable. Pas de traces de combat, pas d'altération étrange du genre le mur est éclaté ou la porte est en sale état ou 200 flèches sont plantées dans la poutre. Lorsque vous arrivez, quelqu'un qui guettait rentre dans la tour triste, et quand vous êtes au pied de la tour triste, c'est le passeur lui-même qui vous accueille. Avec un grand sourire et les bras ouverts, qui vous donne une accolade, vous certifiant que ça fait longtemps, ça fait plaisir de vous voir en bon état. Ouais, pareillement. Bonjour, et pourquoi le 31 ? Ah ! Parce que je n'avais pas le choix dans la date, dit-il en souriant. Quoi ? Et il vous entraîne à l'intérieur sans répondre. Canaille. Vous vous retrouvez dans le grand corps de garde où il y a l'immense cheminée dans laquelle il avait jeté le sang contaminé et la grande table. L'endroit est un petit peu chaleureux parce que il y a des bougeoirs partout. Il y a des candélabres, il y a des grands lustres au plafond. Tout ça donne une couleur assez chaude et orangée à la pièce, qui sinon est assez obscure. La nuit est maintenant tombée. Et quand vous rentrez dans la pièce, il y a une personne à table. Vous distinguez assez vite trois détails. Le premier, c'est que la personne porte une armure lourde, une armure de plate. Le deuxième est que la personne porte une grande cape bordée de fourrure. Le troisième, c'est que la personne est une femme. Yes.
Et elle lève la tête quand vous rentrez, et c'est le commandant Aura. Ah, j'en étais sûr. Et le passeur vous dit, voilà pourquoi je n'avais pas le choix dans la date. Elle part demain. Et officiellement, elle n'est pas ici. Elle a une coupe à la main. Elle vous fait signe d'approcher. Elle ne sourit pas spécialement. Bah, approchons. Vous asseyez en face d'elle. Le père Malfaux s'assit à côté d'elle. Elle vous salue. Vous remercie d'être venu. Regarde Altea, parce qu'elle se codasse un petit peu plus particulièrement. Hein, ils ont eu une grande discussion. Salut. Je vous remercie d'être venu à ce drôle de rendez-vous. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à faire. Moi aussi, j'ai beaucoup de choses à faire. Et ça a été compliqué d'arriver à quitter le rempart ouest pour plusieurs jours sans qu'on me suive et sans qu'on sache où je suis. Mais il fallait que je vous voie. Il fallait que je voie Ament. Il fallait qu'on discute. En préambule, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, mais je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé à votre village. Je ne sais pas pourquoi tout le monde a perdu la tête. Et je ne sais pas pourquoi la situation m'a échappé. Mes soldats sont devenus comme fous de colère et vos paysans eux-mêmes sont devenus incroyablement courageux pour des paysans, je veux dire. Et enfin, ça a dégénéré, bref. Inutile de revenir là-dessus, mais sachez que ça ne figure pas parmi mes moments de gloire ou de fierté. Vous n'étiez plus vraiment dans mes préoccupations jusqu'à ce que je reçoive des nouvelles de la capitale. Et que je reçoive des ordres assez étranges. De nouvelles milices sont en train d'être formées. Une sorte de garde parallèle. Le régent nous a demandé de vider nos prisons, nos cachots, et de former des gardes temporaires. Pour des missions de surveillance du territoire à des endroits qui ont été désignés. Et il se trouve que votre village en fait partie. Je vais devoir très prochainement déverser chez vous tout un tas de gardes qui ont l'air de gardes mais qui n'en sont pas. Et qui vont employer des méthodes certainement très désagréables. Et autant j'essaye de ralentir autant que possible la manœuvre, autant tôt ou tard le nombre de gardes qui m'a été demandé va atteindre son chiffre et je vais devoir envoyer ces gens-là. Ça, c'est le premier élément. Je les freine autant que possible, mais tôt ou tard je vais être contrainte de le faire. Pour être honnête avec vous, jusque-là, ça me posait cas, mais ça ne m'empêchait pas de dormir. La destruction éventuelle de votre village n'est pas vraiment un problème de mon envergure. Et c'est pas ça qui a provoqué la réunion d'aujourd'hui. C'est une accumulation de demandes étranges qui viennent de la capitale. Et la dernière en date m'a convaincu qu'il fallait que je voie avec vous. Peut-être pour comprendre un peu plus ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que vous avez des éléments que je n'ai pas, et qui pourraient étayer ma réflexion et m'aider à réagir à ce qui se produit. Nous avons reçu au rempart ouest un message en provenance de la capitale. Un message qui nous informe que le régent est souffrant. Et qu'il est alité. Et que comme il est dans l'incapacité d'exercer la régence, les textes de loi prévoient que le pouvoir passe au sénéchal. Oh. C'est donc Enguerrand qui dirige.
tant que le régent se remette sur pied, et je ne sais pas pourquoi, mais je commence à douter qu'il se remette vraiment sur pied. D'ici là, c'est lui, mon chef, ainsi qu'à toutes les forces armées de la province. Et c'est là que je me suis dit que vous pourriez peut-être m'expliquer. Pourquoi le régent vous en voulait particulièrement à vous ? Qui est vraiment cette femme qui l'accompagnait ? Pourquoi le régent est malade ? Est-il vraiment malade ? Si vous avez des informations à me livrer, c'est le moment. Et en échange, ce que je vous offre, c'est ni plus ni moins que mon aide. Parce que c'est une crise qui commence à nous toucher tous, et que je n'ai pas le sentiment que nous nous en sortirons tout seuls, chacun de notre côté. Si vous voulez parler entre vous, c'est le moment. Vous êtes au courant d'informations qui pourraient vous mettre en grand danger ? Sinon, on ne serait pas là. Seul ? Enguerrand et moi, c'est pas une histoire d'amour. Moi, je serais d'avis de tout lui dire. Ah oui, je pense que là, on n'a plus trop le choix, de toute façon. Sans retenir de détails quelconques. Compte tenu de qui est Lucia, autant qu'elle en sache, autant que possible. Oui. Go. Qui a le plus en charisme ? Ah ! La belle parleuse. Tu veux qu'on fasse vraiment l'inventaire de tout ce qu'on dit, ou si on dit qu'on dit ou si... tout ? Ou si... Non, il faut que vous le fassiez, là, c'est important. Waouh ! Il faut que vous le fassiez. Quelqu'un veut se lancer en roleplay, là ? C'est une question de mémoire des joueurs. Quelqu'un veut se lancer ? Bah vous faites ça à plusieurs voix. On est derrière toi. Vous faites ça à plusieurs voix, tout simplement. Tout a commencé la nuit de l'orage. Le gros orage qui est passé... Tu vois qu'elle réfléchit... Avant l'hiver. Loin. Ça finit par lui dire quelque chose. Alors, apparemment, l'orage, il n'est pas arrivé jusqu'au rempart ouest, donc... Oui, c'est peu probable. Oui, mais c'était il y a longtemps. J'ai plus la date. Oui. C'était l'année dernière. Ça a commencé à ce moment-là. Un bateau qui ne devait pas arriver à Ament s'est échoué sur les côtes d'Ament. Dans ce bateau, il y avait un coffret qui devait arriver à Greist, si ma mémoire est bonne. Enfin si, le bateau devait peut-être arriver à Ament, mais le coffret devait aller jusqu'à Greist. Exactement. Des gens devaient convoyer le coffret de Ament à Greist. Voilà, sauf que le bateau s'est échoué, le coffret, lui, et son contenu s'est répandu dans une grotte. Dans cette grotte. Oh là. Oh, comment pas partir ? C'est le moment où quelqu'un peut intervenir, peut-être. Dans cette grotte, il y a un loup qui est venu fouiller sur les restes de ce bateau échoué. Et qui est tombé sur ce fameux coffre. Coffre qui contenait un sang spécial. Et en buvant ce sang, ce loup s'est transformé, changé. Il n'était plus vraiment un loup. Et il a commencé à s'attaquer à des gens, dont ma propre maison, et à tuer ma mère. C'est comme ça que je me suis mis à la poursuite de ce loup, accompagné de l'homme que vous connaissez sûrement, Saul. Le fameux Saul que personne n'a vu, mais dont tout le monde a eu le nom. D'accord. Et donc, célèbre du village. Nous nous sommes mis à la poursuite de cette bête, et nous sommes retrouvés face à elle dans cette grotte, justement. Nous l'avons combattue, et durant cette bataille, Saul a été blessé par cette bête. Et
le comportement de cette bête n'était vraiment plus le même, puisqu'elle essayait de boire à tout prix dans ce coffret et ce sang si particulier. Donc une fois la bête abattue, bon, nous l'avons brûlée, etc. Et nous avons récupéré ce qui est resté de sang dans ce coffret pour avoir plus d'informations. C'est à peu près à ce moment-là, à mon retour au village, que nous nous sommes retrouvés, bon gré mal gré, avec mes trois compagnons ici présents, à la recherche de réponses contenant ce bateau échoué et le sang que nous avions entre nos mains. Des réponses que vous avez trouvées ? Ce sang est un sang, on va dire, maudit, qui permet de prolonger la vie de celui qui le boit. Et le père Balfour, le père Balfour précise le mal sombre, comme si il savait qu'elle savait ce que c'est. D'accord. Non. Depuis le temps, on sait que c'est pas le mal sombre. Si. Il est pas arrivé, le père Solomon ? Si, si, sans doute, mais le sang qui est arrivé, il est contaminé par le mal sombre. Le seul truc, c'est qu'il ne transmet pas le mal sombre. Il ne le transmet pas, d'accord. Voilà. Il transmet une version un peu pourrite qui marche pas bien. On va dire ça comme ça pour être poli. Il faut boire du sang. D'accord, une version frais chinoise du mal sombre. Corrompu. Exactement. Une version taïwanaise. du mal pas très clair. Voilà, c'est du mal pas très clair, c'est le stade. Malgré foncé, c'est du malgré foncé. Voilà, du mal afro-américain. Oh mon dieu! Ah, le point Goldwyn est pas loin, bon. Là, c'est trop tard. Ok, donc. Ça est là. Elle a fiole, mal sombre, oui. Sol contaminé et Lucia. Ouais. Et donc Lucia, qui tenait absolument à récupérer ce sang, et a priori pour le régent, qui donc est peut-être besoin. Lucia et Enguerrand faisaient partie des. Enfin, sont les personnes qui attendaient le petit coffret à Greist. Oui, puisque tu les as vues toi-même à Greist. D'ailleurs. C'est ça. Vous êtes certain qu'ils étaient en mission pour le régent? Je ne pense pas qu'ils étaient. Que c'est ce qu'il faisait croire. D'accord. Je pense que c'est ce qu'il faisait croire. Je ne sais pas s'ils étaient là en leur nom propre ou s'ils étaient là en mission pour le régent. Ils n'ont pas fait mention, ni dans un sens, ni dans l'autre, de leur présence là. Je sais juste qu'ils attendaient, eux deux, ce coffret à cet endroit-là. Était-ce pour leur compte ou pour le régent? Ça, je ne peux pas dire. Nous sommes d'accord pour dire qu'il est peut-être possible que le régent n'y soit pour pas grand-chose dans cette histoire. Il est probable que oui, le régent n'était pas au courant de l'arrivée de ce sang. Ça, c'est intéressant. Il ne semble pas qu'ils aient fait mention. Ça, c'est intéressant. Ils ont parlé du fait que le régent était malade, mais ils n'ont jamais précisé que le régent attendait cette livraison. Juridiquement, il existe des précédents. Où militairement, on peut intervenir pour protéger son supérieur hiérarchique de d'autres dirigeants. Je ne sais pas si vous comprenez, mais si le régent est en danger, j'ai des moyens d'intervenir en tant que commandant. Si le régent est à la tête pour de tout ça, je suis censé de pouvoir. Je suis censé lui obéir. Donc, c'est au moins une piste à creuser. On peut protéger le régent même d'Enguerrand, en gros. C'est l'idée. Enguerrand est un... Je vous ai dit qu'on ne s'aimait pas particulièrement. Enguerrand a fait une carrière de militaire. Il a atteint le grade de capitaine. Il était d'une efficacité certaine, hein, là n'est pas la question. Mais Enguerrand a été remarqué par l'actuel régent. Et qu'il a pris sous son aile. Et personne ne sait vraiment pourquoi, en fait. Qu'il a pris sous son aile et qu'il a fait passer de capitaine, de simple capitaine, à
militaire hors classe, au-delà de la hiérarchie, et qu'il a finalement nommé sénéchal. Donc, bon, sa carrière a fait un bond incroyable, presque trop. Et le fait d'être passé de simple capitaine à sénéchal, sans passer par les différents grades, a fait qu'Enguerrand a un comportement assez odieux envers les gens qui étaient autrefois ses supérieurs. Dont moi, par exemple. Et ça fait aussi que la plupart des militaires qui ont un grade important au sein de l'armée ne l'apprécient pas particulièrement. C'est quelqu'un qui a brûlé les étapes. Et on n'aime pas trop ça, en vrai. Et il aurait maintenant le pouvoir en main du fait de manipulations liées à cette femme. Pensez-vous que si cette femme disparaissait, les choses s'arrangeraient? La question, c'est est-ce que la survie du régent dépend de cette femme et de ce qu'elle peut éventuellement lui donner? Au contraire, est-ce que sa vie est en danger de par ce qu'elle lui donne, éventuellement? Avant d'aborder l'aspect alchimie du sang. Sa disparition pourrait le sauver ou le tuer. Tant qu'on ne sait pas ce qu'elle lui donne et quel effet ça a. C'est exact. Ce qui veut donc dire qu'il faut... Il faut enquêter à la source. Aller dans son laboratoire. Tout ça se passe à la capitale. Ce n'est pas moi en étant au rempart ouest ou vous en étant dans votre village qui allons trouver la réponse, nous sommes d'accord. Je suis ravi de voir que nous sommes d'accord. C'est la première fois que vous voyez un petit sourire sur son visage. Ça veut dire que comme elle est occupée au rempart ouest, il faut que nous allions prendre les informations à la capitale, comme ça de toute façon elle peut Soyons réalistes. J'y suis pour rien. Soyons réalistes, vous n'êtes pas connu. Et encore moins, c'est la capitale, qui ne doit même pas savoir que Ament est un endroit sur la carte. Moi, je suis le commandant du rempart ouest. Si moi, je me déplace à la capitale, c'est mort. C'est compliqué. Si vous vous infiltrez à la capitale, il est même possible que personne ne vous voit venir, que vous puissiez observer ce qu'il faut observer. Et comprendre ce qu'il faut comprendre. Bien sûr. Après, si vous arrivez à trouver qu'elle n'est pas indispensable, on a les moyens de la faire disparaître. Si vous trouvez qu'au contraire elle est indispensable, il faudra sans doute l'enlever. Enfin, en tout cas, c'est là-bas que ça se passe, c'est assez sûr. Et je n'ai pas, au rempart ouest, de personnes discrètes de confiance. Sinon, elle serait pas seule ici. Sinon, je ne serais pas seule ici. Et les rares personnes à qui je fais confiance sont des militaires qui ont une place dans la rempart ouest. Si je les déplace mystérieusement à la capitale, ce sera vu. Vous n'existez pas. C'est parfait. Un peu vexant, mais vrai. C'est ça que je suis venu chercher ici. Des hommes de main. Alors, j'imaginais pas tout le tour de l'histoire. Je vous avoue, je croyais que c'était plus simple et plus politique. Mais j'ai besoin d'argent à la capitale. Et nous avons besoin de protection pour Ament. Ça tombe bien, c'est moi qui suis chargé de vous faire la misère. Oui, mais il va falloir que vous puissiez nous assurer de pouvoir faire plus que de ralentir les choses. Eh bien, disons que nous trouverons certainement un moyen d'informer vos forces de défense, des déplacements, des troupes que j'envoie. Ils connaîtront leurs ordres de marche, leur nombre, leurs déplacements programmés, et vous pourrez tendre embuscades diverses et variées, et n'hésitez pas à les supprimer
et à leur faire tout le mal possible, ce ne sont pas des soldats, et ce ne sont pas mes hommes. Et est-ce plus qu'il vous y a en des ferez disparaître, dans le lot quelque part oui. Ce sont tous des petites frappes, hein. Mais il y a des gens qui sont en relais de force, oui, effectivement. Est-ce qu'il y aurait par exemple des Dan de Balyun, par exemple, venant de Caen? Non. Vous n'êtes pas au courant de ça? Au courant de des quoi? Des camps de travail. Des camps de travail dans lesquels on envoie les Dan de Balyun? Non. Ça ne vous dit rien? Rien du tout. Et je me targue d'être plutôt bien informé. Eh bien voilà, vous l'êtes plus maintenant. Vous savez où ils sont? Non, nous n'avons pas pu trouver leur destination. Mais on a du mais voilà, c'est en cours et c'est à grande échelle a priori. À grande échelle, je suis pas au courant. C'est intéressant. Je vais m'enseigner. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. Et c'est assez inquiétant aussi. Et la construction d'un port du côté du rempart ouest, ça vous dit quelque chose? Ah, oui. Au départ, c'était temporaire. On devait accueillir un bateau qui convoyait quelque chose de spécial à la capitale. J'ai vu débarquer il y a une semaine de ça à peu près. 6 chevaliers. Sans armoirie. Mutiques. Par contre, j'ai reçu ordre du régent de les accueillir, de les héberger. Et de leur fournir tout le matériel qu'ils demanderaient. Et ils sont partis à la capitale. La seule chose qui va peut-être vous faire dresser les poils sur les bras, c'est qu'ils portent un coffret. Par hasard. Oui, voilà. Je sais pas d'où ils viennent et ils n'ont pas eu à se justifier de quoi que ce soit. Ils ont passé une nuit au rempart ouest et ils sont partis très tôt le matin avec leur coffre à la capitale. Et ils devraient pas tarder à revenir pour reprendre leur bateau. Mis à ouais, part ça. Faire un autre voyage régulièrement, je suppose. Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire. Moi, j'ai juste vu une opportunité, c'est qu'à partir du moment où on me demandait de construire des quais, je me disais que ça pouvait être un moyen supplémentaire de vous ennuyer. Mais comme je ne tiens plus vraiment à vous ennuyer. Petite question, les amis. Ouais. Est-ce qu'on lui parle de la caravane de façon à peut-être éventuellement faciliter les choses pour la caravane? Ça pourrait être utile, ouais. C'était plus dans ce sens-là, ouais. Quoi, pour assurer ouais. Que la caravane fonctionne. Elle vide sa corne de bière d'un trait, vous resserre de la bière dans les vôtres. Je bois pas de bière. Ça passe, mais j'en bois pas. Oh, ouais, vous allez donc, bien trinquer avec, avec le commandant Aura. Althea. Oui. Un tout petit peu, mais bois pas trop. Elle tient pas trempez, l'alcool. Trempez vos lèvres. Trempez vos lèvres. Est-ce que pour le coup, si nous acceptons cette quête, nous pouvons compter sur un geste de soutien de votre part? Ça me semble assez évident. Très bien. Dans ce cas, nous avons, pour pouvoir survivre, besoin de développer une activité de transport de marchandises. Entre Ament et Balyun. Est-ce que cela vous pose un souci ou pas? Il n'y a aucune voie entre Ament et Balyun. Comment comptez-vous faire? Eh bien, s'il y en avait une, est-ce que ce serait un problème? Je vous dirais non, tant que le sergent Dars n'est pas au courant. Le sergent Dars n'est pas au courant. Et au-delà du fait que ça ne me pose pas problème, quel est le service que vous me demandez? Que ça continue de ne pas vous poser de problème. Que la caravane puisse passer aux alentours du rempart ouest
sans être inquiété, tout simplement. Ah. Vous voulez dire par le pont ? Et nous ferons en sorte que cela se produise. Alors trinquons. Vous videz ces quelques bières. Une fois qu'elle a terminé la sienne, elle se lève. Vous demande si vous arriverez à rejoindre la capitale par vos propres moyens. Ou pas. On n'y a jamais été. On sait même pas où c'est sur la carte. Si, par là. Non. On n'est pas censé le savoir. Eh ben, le père Malfaux, le père Malfaux va dégainer la carte de la région, l'immense et magnifique carte de la région que vous puissiez découvrir où se trouve la capitale. Et autant dire que c'est pas un voyage de ta fiole. Non, c'est loin. C'est très loin. C'est loin. Oh là là, techniquement, oui. Vous devriez faire une escale à Greist, puis une escale à l'Ocronan, puis descendre plein sud jusqu'à Cliffhall. Ce qu'elle peut vous dire pour vous aider à trouver votre chemin, Grace n'est pas un problème en soi, c'est une ville un peu miteuse. Il n'y a pas une forte activité militaire, c'est un peu à l'abandon. Tant que vous faites pas de vagues et que vous faites que passer, ça devrait être assez peinard. L'Ocronan est une grande ville. Une assez grande ville, très active, très commerciale, beaucoup de passages. Donc vu que c'est très cosmopolite, c'est très facile de se fondre dans la foule et de pas se faire repérer. Les gens se connaissent pas d'un quartier sur l'autre, il y a vraiment beaucoup de gens. C'est quasiment trois fois plus grand que Balloon, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est l'endroit parfait pour disparaître. Les plaines de Sauveterre, c'est les plaines les plus fertiles de votre province. C'est un petit paradis, quoi. Tout y pousse en grande quantité, c'est la fête à la maison. C'est très paysan. Elle va vous dire, pour aller de Grest à l'Ocronan, faites pas une ligne droite. Passez pas par le lieu qui s'appelle la forêt des géants, parce qu'elle porte son nom pour une très bonne raison. Il y a des géants. C'est un peu l'idée. Donc, vous quittez Grest plein sud jusqu'à la région des lacs. Et après, vous allez plein est jusqu'à l'Ocronan. Vous passez par en dessous des montagnes, en fait. Essayez pas de faire une ligne droite. La ligne droite est possible, mais c'est vraiment des terres super sauvages et c'est très risqué. Donc, il vaut mieux faire le classique. Je descends plein sud et je vais plein est. Et donc, l'Ocronan Cliffhall, c'est quasiment une ligne droite dans de la prairie verte où il se passe pas grand-chose. Hein. Ça fait partie des terres les plus sûres de votre province. C'est là qu'il y a tous les serfs qui travaillent pour la capitale. C'est là qu'il y a les greniers qui nourrissent la capitale. Donc, c'est un lieu très protégé, très pacifié. Et il n'y a pas de danger particulier. C'est une vraie balade. C'est là qu'on aura des problèmes. C'est une vraie balade. Et après, bah, vous débarquez à la capitale. Elle vous laissera découvrir les joies et les bonheurs de Cliffhall. Une fois là-bas, ce qu'elle vous conseille, c'est de trouver un travail pour avoir une raison d'y être. Inventez-vous une provenance. Alors, que vous veniez les trois du même endroit ou pas, peu importe. Hein. Mais trouvez-vous un petit boulot là-bas pour avoir une espèce d'activité quotidienne qui vous permette de traîner ici ou là, sans qu'on se demande ce que vous foutez là. Mettez-vous à la place de gens qui viendraient vivre là-bas, quoi, pendant un certain temps, et ouvrez les yeux et essayez de vous rapprocher de gens qui savent ou qui ont leurs entrées. Elle sait pas trop comment ça va se passer. Hein. Elle sait pas trop sur quoi vous allez tomber. Elle sait pas trop comment ça se passe.
Elle sait juste que c'est compliqué de rentrer dans le château même. Ne rentre pas dans le château qui veut, il faut avoir une raison pour y aller. Il faut y être attendu, avoir des affaires à régler ou y travailler, mais on visite pas le château, quoi, c'est pas open bar. Et géographiquement parlant, le château, il surplombe la ville. Il est situé sur un pic rocheux. Donc c'est pas d'un accès facile, en fait. On grimpe un long chemin et on est inspecté en bas et en haut du chemin, et on n'y rentre pas en douce, quoi. Voilà, c'est un endroit très bien défendu. Et toute la ville s'étend autour du pic rocheux en cercle. Voilà. Qu'est-ce qu'elle peut vous dire ? N'ayez pas peur si vous voyez une drôle de créature ailée qui survole la capitale. Il y a au château de Cliffhall, il a laissé en partant la monture du seigneur de Cliffhall. Et c'est un hippogriffe. Donc de temps en temps, il va se dégourdir les ailes au-dessus de la ville. Tirez pas dessus avec des flèches, criez pas, c'est tout à fait normal. C'est une monture domestique, on va dire, autant que possible. C'est un peu tout ce qu'elle a à vous dire. À vue de nez, il vous faudra, si tout va bien, un peu plus de 15 jours pour arriver à la capitale. Et comme vous ne pouvez pas partir avec un frigidaire sur votre cheval, il faudra certainement prévoir des rations pour aller à Greist, faire le plein à Greist pour aller à Locronan, faire le plein à Locronan pour aller à la capitale. Éventuellement. Je vous demande si vous avez besoin d'argent. Toujours. Oui. Toujours et à jamais. Peu importe son utilité, surtout si on doit faire semblant d'avoir une activité quelconque à Cliffhall. Monter une activité, ça coûte de l'argent en général. Elle sort de sa poche une pièce d'or qu'elle dépose devant chacun de vous trois. Tour à tour. En vous disant, voilà, la pièce. Tu l'as vu, la pièce ? En vous disant, je pense que ça devrait couvrir le début. Vous avez donc en poche 1000 pièces d'argent. Beaucoup. Ça, ouais, mais bon, 15 jours de voyage aller-retour, plus... ce que vous allez faire là-bas, tu vas voir qu'au bout d'un moment, la cagnotte, elle va descendre, quoi. Elle va descendre, c'est pas rien. C'est la deuxième pièce d'or de ma vie. c'est pas rien. Par des moyens magiques, envoyer un message à un endroit que j'ai déjà vu. Est-ce qu'on aurait moyen de faire quelque chose par rapport à ça ? Quel est l'endroit le plus proche de chez moi que vous ayez déjà vu ? On peut décrire le chemin qu'on a fait pour aller l'endroit le plus proche de chez elle que tu aies vu, c'est les quais en construction. T'es passé à côté, mais t'as pas vu l'intérieur, c'est un peu risqué. Non, ce que vous allez faire, c'est que si vraiment il y a urgence, tu peux toujours envoyer un message à la tour triste. Et le passeur enverra un corbeau au rempart. On peut le coder, choisir un nom sous lequel on l'envoie et qui éveillerait pas la méfiance, un truc comme ça. Faire semblant que c'est une lettre d'une tante ou je ne sais pas, un truc... Non mais... Micheline Aura qui vous envoie un message. Oui, après oui, il y aura... Quand ça vient de notre part vers elle, quoi. Le discours ne sera pas ouvert, mais... Voilà, c'est l'idée de prévenir le père Malfoy, et c'est lui qui enverra le message, qui met moins d'une journée pour arriver au rempart ouest. Ok, mais vraiment en cas d'urgence, pas pour prévenir toutes les semaines que tout va bien, voilà quoi. On va éviter. Si vraiment ça dérape et qu'il y a un souci, ça sera votre solution, votre porte de sortie de Mission Impossible, quoi. Elle vous précisera si besoin s'en faisait sentir de ne pas risquer inutilement vos vies. Si vous vous sentez découvert,
Si vous vous sentez découvert, barrez-vous, quoi. Barrez-vous. J'en ai qu'une, j'y tiens. Vous avez parlé de Balyun, elle suppose donc que vous avez des contacts là-bas. Si vraiment il faut trouver un refuge, ça sera plus court de quitter Cliffhall par l'ouest pour rejoindre Balyun. Il y a une grande route commerciale, donc c'est tout droit, c'est borné, il n'y a pas de surprise, que d'essayer de partir vers l'Ocronan ou quoi que ce soit. Ça va se passer bien. Il n'y a aucune raison. Ils ne savent pas que vous allez arriver. Si vous êtes discret, elle ne sait pas qui elle parle, moi je sais. Si vous êtes discret. Ah, on est discret dans la mesure où on évitera de se faire remarquer. Nous tâcherons de l'être. Bien se passer. Et puisqu'elle est debout, elle vous salue. Elle salue le père Malfaux. Et elle aura moyen, elle, de commencer à mettre au courant le seigneur, qu'il y a quand même des choses qui vont pas et qu'il faudra peut-être nommer un autre régent. Normalement, peut-être temps d'alerter de tout ce qui se passe. Ça n'est pas mon rôle. Il faut le savoir. Il y a deux ressorts hiérarchiques au-dessus de moi. Et il se trouve qu'actuellement, peut-être que les deux sont défaillants, effectivement. Le risque, c'est que le régent ou le sénéchal est actuellement auprès de notre seigneur des gens. Et que ce message... Une personne de l'importance de notre seigneur ne reçoit pas ces messages directement. Ils passent de main en main. Donc des gens vont lire le message que je vais envoyer. Si dans ces gens-là, il y a un homme du régent ou du sénéchal, non seulement le message n'arrivera pas jusqu'à notre seigneur, mais en plus, notre ennemi saura que je sais. Et que je ne suis pas à ses ordres et que je suis en train de combattre contre lui. Et ça risque inutile. C'est très risqué. C'est vraiment. C'est pas de la roulette russe, mais on n'est pas loin. Et ça met tout en l'air, par contre. Si jamais ça arrive, même s'il y a peu de chance, si jamais ça arrive, on sacrifie toutes nos chances de réussite. D'accord. Et je me fais convoquer. C'est le plan T. Voilà, je me fais convoquer à la capitale et je me fais décapiter. Si on devait résumer la situation. Pour trahison. Et donc elle s'en va. Courage. Vous laissant avec le père Malfaux. Qui vous dit, c'est plutôt à vous qu'il faudrait dire courage. Elle aussi. Puis je vais pas m'auto-souhaiter courage. Vous allez vraiment faire ça? Oui. Il fallait bien qu'on en vienne là un jour. De toute façon, on voulait aller visiter son laboratoire, donc. Oui, je comprends. Je comprends. Mais ça n'est pas exempt de... une certaine abnégation. 15 jours loin de chez vous. Enfin, 15 jours, qu'est-ce que je dis ? 15 jours... Oh, après un demi-mois tout entier. Vous reviendrez peut-être ici à l'été, si vous êtes doué. Vous trouvez ce qu'il faut trouver. Sinon, c'est la potence. C'est un peu ça. Si vous faites prendre, je vous avoue que... Enfin, on verra. À mon avis, la potence, ça sera le plus doux des châtiments, vu que cette Lucia a l'air plutôt inventive. Ouais. Vous la racontez pour les créatures ou pas ? Oui, parce qu'il faut bien qu'on ramène avec nous. Hein. Oui. C'est vraiment une personne lamentable. Créature, diablotin, apprenti, tout. C'est vraiment lamentable. Je prie pour que vous ou moi, ou peu importe qui, mais lui tranche la gorge ou la fasse passer de vie à trépas. Il y a vraiment des gens qui méritent de mourir. Vraiment. Est-ce que je peux vous aider ? À part vous donner le gîte et le couvert. Il y aurait un novice à envoyer à Ament. Oui, vous allez repartir avec quelqu'un.
Vous allez repartir avec quelqu'un. Voilà. Des colis fichets, des trucs qui pourraient nous aider, des fois que... Des gris-gris. Alors là, je prends tout. Vu là où on va, on prend tout. J'ai bien des choses, mais à savoir si elles vous seront utiles. J'en doute. Honnêtement, j'en doute. Je réfléchis, je vois ce que font ces choses et j'imagine. Je vous imagine à la capitale et je vois pas bien à quel moment vous pourriez avoir besoin de morts-vivants. Enfin, en termes de discrétion, on a vu mieux. Alors, en dernier recours, ça pourrait éventuellement servir, mais. Je ne suis pas il en faudrait un prêtre. Beaucoup. Je ne suis qu'un prêtre de Hof et Hof a des applications assez limitées, je vous avoue. D'ailleurs, je lui montre mon petit collier. Oh, c'est joli. C'est très joli. Il a vraiment beaucoup de bijoux dernièrement, hein. Des bracelets, des bagues, des colliers. Il est bling. Pourquoi vous êtes fait faire ça? C'est étrange. C'est quoi ce collier? J'en sentais besoin. C'est un symbole de Hof. Alors, je suis le premier à comprendre qu'on ait besoin d'avoir un symbole de Hof, mais ça me surprend venant de votre part, William. Dieu, il est dans sa phase emo gothique. Il écoute du Sepultura dans sa chambre. Peut-être bien. Ouais, on tape la tête contre le mur comme ça. Vous vous intéressez plus particulièrement à Hof? Disons que comme des personnes, des créatures de Hof se sont intéressées à moi, et bien. L'intérêt mutuel, on va dire. Non, c'est louable. C'est une activité un peu frustrante, je ne vous le cache pas. Prendre soin des morts, c'est un peu l'assurance de ne pas avoir de retour, de contrepartie, de réponse. C'est prendre soin de gens qui ne sont plus là. C'est un peu frustrant. Oui, il n'y a pas beaucoup de plaintes, mais je vous assure que quand il y en a, vous les entendez. Ah oui. Comme la plupart des personnes auxquelles je tenais font partie des morts, ma foi, je me sens peut-être plus de lien avec le monde de Hof que le monde dans lequel nous sommes. Si vous voulez être utile, si vous voulez répondre aux besoins de mon Dieu et vous sentir utile, il y a une activité charitable qui a rapport avec les vivants, qui pourrait peut-être... C'est pas qu'elle pourrait vous intéresser, mais c'est que si le cas se présente, vous saurez quoi faire en tout cas. Est-ce que vous savez fondamentalement pourquoi est-ce que nous recueillons les orphelins? Non. J'imaginais que c'était pour former de futurs prêtres de Hof. Alors, oui, parce que du coup l'occasion est là. Mais c'est surtout pour qu'ils ne meurent pas. Les âmes des enfants ne sont pas assez fortes pour atteindre les limbes. Les âmes des enfants se perdent en chemin et deviennent ce que nous appelons des âmes errantes, ce qui n'est pas un sort très enviable quand on meurt, je vous l'avoue. Et de fait, la plupart des âmes errantes que l'on peut croiser sont celles d'enfants. Si vous souhaitez participer à ce que nous faisons, sachez simplement que un prêtre de Hof qui se retrouverait dans une situation où il faut sauver un adulte ou un enfant, il sauverait l'enfant. Non pas parce que c'est un enfant et qu'il a toute la vie devant lui, mais parce que entre l'âme de l'adulte et l'âme de l'enfant, l'une des deux trouvera les limbes et l'autre se perdra. C'est pour ça que nous recueillons les orphelins, c'est pour qu'ils ne meurent pas. Et pas par charité. C'est une autre forme de charité, si vous voulez. Voilà, ça va peut-être pouvoir vous aider dans vos choix. Je vous assure que les âmes errantes, c'est un état... Être perdu à jamais, je ne vous le souhaite pas. Je préfère le confort des limbes, où les âmes sont censées se diriger, que...
qui a erré toute ma vie aveugle, coincé dans le voile. Vous passez la nuit chez le père Malfoy. Et sauf contre-ordre de la mana dans mon truc. Oui, sauf contre-ordre de votre part, vous rentrez à Met. Bah oui, je pense. Ça a l'air d'être ça. Alors, est-ce que je rentre à Met ou est-ce que je pars direct pour Grand Bois ? À toi de voir. Tu peux être à Grand Bois en 2 heures, à vue de nez. Ah, c'est beaucoup plus près qu'en repartant de Hament. Ah oui. Maintenant, assez clairement. Sinon, t'es juste à côté. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on... On aura le novice avec nous, ou il vient par ses propres moyens, en fait. Ça dépend. Si vous rentrez maintenant à Hament, il va rentrer avec vous. Si vous faites un crochet, il ira tout seul. Les morts n'attendent pas. Est-ce que tu veux qu'on fasse le crochet avec toi ou est-ce que tu nous rattrapes en route entre guillemets ou... Je sais pas si tu veux qu'on soit là ou pas. Ben, je sais pas trop ce qui va se passer, combien de temps va durer la discussion, qu'est-ce qui... Je sais pas. Ah ben non, c'est encore moins que donc, toi. Donc pour le coup, est-ce que ce serait une bonne ou... Enfin, je pense pas que ce serait une mauvaise chose que vous soyez là tant qu'à faire. Non, attends pour manger la galette. Ah oh, mon dieu, la galette! Ah, ce qui signe la fin du scénario! Bah, une énorme galette! On rentrera à Ment, hein, et puis on verra pour Grand Bois plus tard. Eh ben, sur le trajet de décembre, de toute façon. Ce que je vous propose comme possibilité, donc on va arrêter là, ça c'est sûr. Soit on se fait un aparté, toi tout seul à Grand Bois, dans la semaine. Par exemple. Mm. Soit tu omets ça parce que tu veux qu'il soit là et on fera un grand bois sur votre trajet pour la capitale la prochaine fois. Mais on prend pas le bateau de Hament à Greist, on le fait à pied. Greist n'a pas de port, n'a pas de quai. Oui, c'est pour ça que le bateau est arrivé chez nous chez vous. Et qu'il repartait à cheval. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, OK. Non, bah vous, alors vous préférez être là ou quoi? Je sais pas du tout ce que t'as à faire dans le Grand Bois, donc je sais pas. Bah en fait, parler à Mel et en fait non seulement de la situation et de ce qu'elle pourrait nous en dire, mais aussi de pas mal de choses perso par rapport à moi, donc qui sont pas forcément, intéressantes pour vous d'une manière ou d'une autre, je sais pas. Ça me dérange pas d'y participer. Bah, ce qu'on peut faire, c'est que la prochaine fois, on fait un trajet en bateau à Ment. Et c'était quoi? C'était Neveron qui avait des quais où on s'était arrêté. Neveron a encore des quais en état. Ouais. S'arrêter avec le bateau là, le bateau repartira vivre sa vie. Et puis nous, on fera des tours à grand voie. Puis on le relâche. Allez, bateau, va vivre ta vie. Ouais, mais ça, on sait pas piloter un bateau. Aucun de nous n'a navigation, non? Bon. Aucun de vous n'a de bateau. Aussi. Ouais. Le même qu'on avait trouvé la première fois entre Hament et Neva. Allez, on relâche Ned. Voilà. On relâche Ned. Je sens l'odeur de la galette qui passe devant la caméra. Au revoir. Bonne galette. Salut Ned. Tombe pas sur la fève, ça fait mal aux dents.